Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo dépannage ou bidouillage si vous préférez. Ce serait plus dans l'idée bidouillage. Je me retrouve avec une UC qui va servir de rétro gaming qui fonctionne plus au niveau de ses ports USB façade. Donc tous les ports USB façade ne fonctionnent pas. Là j'ai branché un autre connecteur et j'ai plusieurs ports. Voilà, je les ai tous débranchés parce qu'ils ne fonctionnent pas. J'en ai trois. J'en ai un que je viens de connecter avec un autre adaptateur pour éviter des courts-circuits ou autres. Actuellement, ce que j'avais en façade, donc c'est un multiport multi-lecteur. Vous voyez, voilà, il lit tous différents types de lecteurs et un port USB aussi, plus deux ports USB en façade avec les connecteurs jack pour l'audio et l'enregistrement micro. Voilà, tout ça ne fonctionne plus, à part le micro, à part la prise casque et la prise micro. Tout le reste est HS et pose problème au niveau de la connectique et de l'électronique présente sur cette platine. Donc là, il y a encore une partie qui a cramé. Là, je l'avais déjà réparé à l'époque et vérifié, ça fonctionnait parfaitement. Ça fonctionnait pendant 2-3 ans sans souci, même plus. Mais là, il y a des enfants ou d'autres personnes qui forcent en les mettant à l'envers. Et là, ça bouge au niveau du connecteur USB. Donc dégradation du port USB, si vous mettez à l'envers, eh ben, vous cramez tout, ça peut faire un court-circuit, etc. Donc il y a dû y avoir un court-circuit à un moment et ça a cramé la sortie 5 volts de ces ports USB. Moi, ce que je vais essayer de voir, c'est comment je peux faire pour passer outre ce problème-là. Soit trouver l'élément qui est haché sur la carte mère, mais là franchement, je n'ai pas trop le temps. Donc je vais essayer de voir si je peux faire un strap rapide pour récupérer le voltage. Et par la suite, je verrai si je peux faire autrement. Mais déjà vérifier si c'est vraiment le 5 volts qui est cramé, enfin, qui ne fonctionne plus. Donc, je prends un lecteur dans la position, un multimètre dans la position volt. Je le mets sur 20 volts. Hein. Là, je me mets sur la masse. Je gêne mon doigt. Là, je me mets sur la masse sur un côté. Hop. Et sur l'autre côté, je connecte sur le premier port du lecteur. Et sur mon... Voilà, je regarde pour l'instant, j'ai rien. Je vais le remettre comme il faut. Voilà. Là, je vais me connecter sur le deuxième. Sur le premier pin qui correspond à 5 volts. Et vous voyez, si je regarde, mince, il y a mon doigt qui gêne. Est mal positionné. Alors, attendez, je remets ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négatif. Hop, je le mets sur le premier pin. Et voilà. Et là, il n'y a plus rien. Donc moi, ça me permet de dire j'ai un problème de voltage et je n'ai pas d'arrivée de 5 volts sur mes ports USB en façade. Donc, le but de cette vidéo et de ma démarche de bidouillage, ça va être de récupérer du voltage. Soit j'arrive à réparer rapidement, mais je ne vais pas démonter pour l'instant. Je vais essayer de trouver un strap ou quelque chose pour passer outre et voir si je peux vérifier déjà si mes ports USB ne sont pas grillés au niveau du contrôleur, mais je ne pense pas. Sinon, tous les autres ports USB seraient morts sur cette carte, je pense, puisque je pense que c'est le même contrôleur. Donc je suppose plutôt que j'ai un problème de circuit qui a cramé à un endroit sur la carte mère dû à un court-circuit. Et donc je n'ai pas de 5 volts qui arrivent sur ces connecteurs-là. Donc je vais trouver une solution. Vous verrez ça dans ma seconde partie. Alors là, c'est la partie 2 de la vidéo. Alors dans cette deuxième partie, je vous montre comment je bidouille pour passer outre le problème de fonctionnement des ports USB en façade. J'ai trois connecteurs ici au niveau de la carte. Je vais faire attention parce que j'ai fait un strap, un branchement direct du... Là, vous voyez, j'ai branché mon multi-lecteur en façade, un connecteur USB pour test, et il y en a un troisième qui est vide pour l'instant parce que je ne vais pas utiliser, et je vais vous montrer pourquoi, je ne vais pas utiliser cet adaptateur secteur parce que je l'avais déjà réparé une fois. Alors, ce que j'ai fait dans cette deuxième partie de vidéo, dans la première partie, j'ai testé avec un multimètre le voltage à la sortie de mes connecteurs USB qui est à l'intérieur ici.
et j'avais 0 volt. Donc je trouvais ça bizarre. Donc j'ai un petit élément sur la carte mère, je ne sais pas où il est, mais sûrement pas un transistor, mais un condo ou une protection qui a lâché. Donc il faut que je cherche où c'est, mais là j'ai pas vraiment le temps. Donc je suis plutôt passé à la phase plus rapide, c'est de contrôler si je peux quand même utiliser ces trois connecteurs qui sont normalement liés les uns les autres. Et ce que j'ai fait est viable. J'ai branché un lecteur, je vous le montre. J'ai branché mon lecteur de CD, DVD avec mon petit adaptateur là. J'ai fait un petit strap sur du 5 volts. Vous voyez, avec ce petit fil là. Il est branché en 5 volts et je l'ai branché directement sur le premier connecteur. La première patte du connecteur, bien sûr, sur le fil rouge hein, du port du connecteur et du port USB. Sinon, je grillerai l'ensemble de la carte. Donc, il faut quand même faire attention et savoir ce qu'on fait. Donc ici, je l'ai quand même branché sur le premier connecteur qui correspond aux 5 volts de l'alimentation USB. Et comme je le pensais bien, les trois connecteurs que vous voyez qui sont les uns après les autres, ici, je ne vois pas, voilà. Les trois connecteurs qui sont les uns après les autres sont tous alimentés par le même faisceau 5 volts. Le négatif est bien fonctionnel, c'est vraiment le plus qui a lâché. Donc peut-être que je chercherai à comprendre pourquoi j'ai pas ce 5 volts là, ou alors je vais faire un petit strap sur une entrée 5 volts de la carte. Là, je vois des petits endroits où je pourrais peut-être trouver du 5 volts disponible et mettre un fil entre l'un et l'autre. Et comme ça, mes trois ports USB façade seront alimentés. Comme ça, je pourrais récupérer la fonctionnalité, là je viens de le tester avec une clé USB sur ce port là. Avant il n'était pas allumé puisqu'il n'était pas alimenté à cause du 5 volts. Et quand je l'insère, voilà, j'ai une détection tout de suite présente de la clé USB. Donc ça veut dire que ça fonctionne. C'est du bidouillage, mais je vais vous dire, ça permet de vérifier si on a un problème de circuit. D'éléments, moi comme je vous dis, cet élément là je ne vais plus l'utiliser, je le trouve de très mauvaise qualité. Je vais peut-être revérifier le circuit parce que je pense qu'il est en court-circuit puisqu'il a grillé mon positif. Donc je sais pas, je préférerais repartir sur du neuf ou un autre connecteur, et voilà, parce que cette machine là va me servir de machine rétro gaming. Donc j'ai besoin quand même qu'elle fonctionne bien. J'ai besoin des ports à l'avant parce qu'actuellement j'utilise des ports à l'arrière avec des contrôles, avec des adaptateurs. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pour un joystick sans fil, voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième phase. Je vais donc voir ce que je peux faire pour finaliser ça et rendre ce dépannage viable dans le temps, parce que je veux pas y revenir. Donc, il faut que je trouve des éléments qui soient viables au niveau des connecteurs USB, que je puisse utiliser tout ce que je veux mettre en façade. Voilà, c'est important, hein, des ports USB en façade comme à l'arrière d'ailleurs. Alors, petit complément au sujet de cette réparation, de ce bidouillage que je fais. Je n'ai pas de court-circuit au niveau des trois connecteurs. Le circuit, les 5 volts n'arrivent pas aux trois connecteurs. Donc j'ai testé les éléments autour rapidement et ils ne sont pas grillés. Chaque connecteur que j'utilise là fonctionne. Il lui manque juste une alimentation de 5 volts. Si j'avais un court-circuit au niveau des brochages, donc un élément grillé sur la carte, je ne pourrais pas faire ça puisque ça pourrait dégrader d'autres éléments et faire cramer cette carte aussi. Là, j'ai pas le temps de la démonter, je veux faire comme je dis, du rétro gaming avec cette machine. Je veux juste les connecteurs en façade pour pouvoir bidouiller. Là, je connecte quand même ce petit dépannage que je fais sur un connecteur qui est assez puissant. Si je l'avais connecté, par exemple, sur le positif 5 volts d'une LED en façade ou du power en façade, je n'aurais pas forcément le bon ampérage. Donc, c'est à suivre. Les ports USB ont quand même besoin de 500 mAh. Donc comme ils sont doublés et comme il y en a plusieurs, il faut quand même un peu plus. Voilà. Donc je dis toujours attention. Là, dans mon cas de figure, je n'ai pas de... c'est grillé. J'ai pas... Soit il y a un défaut sur la carte mère et au niveau d'une couche qui amène ce 5 volts. Soit j'ai un élément avant, qui est situé avant, qui est grillé.
je ne l'ai pas détecté pour l'instant. Et comme je vous dis, je n'ai pas forcément le temps de vérifier tous les éléments. Tant que ma carte mère fonctionne et tant que je peux passer outrepasser ce manque de 5 volts et faire autrement, je le fais. Voilà, c'est ma solution rapide. Alors, pour en finir avec l'histoire des ports USB à l'avant, j'ai revérifié le circuit de mes deux ports USB là, en façade. J'ai revérifié le circuit 1 à 1 et tout fonctionne correctement. Même le condo qui est dessus, il fonctionne, il n'a pas été grillé. Donc je suppose plus un problème de circuit sur la carte mère qui a été coupé ou un défaut de conception, enfin quelque chose qui ne permet pas d'alimenter tous les ports USB en façade. Donc voilà, j'ai tout remis ça en place et là, voilà. J'en ai presque fini avec cette histoire et je vais pouvoir utiliser cette machine pour faire ce que j'avais comme but, le rétro gaming. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de bidouillage. À très vite sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.